Mais ça, c'est première édition, volume 2, qui pourra commencer avec le traité de Ryswick, que pays l'Espagne t'est signé avec pays la France le 20 septembre 1699 et qui pourra arriver juste dans la bataille de la crête à Pierrot le 24 mars 1802. Volume 2 a 11 chapitres. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui se feuille au yon musique classique d'auteur inconnu, exécuté par Eddie Prophète, yon nan pi grand pianiste haïtien nan commencement 21e siècle là. Chapitre 1. Dans chapitre ça, nous parlons de qui Jean, organisation politique, t'es gagné dans la colonie de Saint-Domingue et qui Jean, situation t'es en France. Le 20 septembre 1697, pays l'Espagne, à cause influence li t'es baissé, t'es signé avec pays la France un accord, le traité de Ryswick. D'après traité ça, l'Espagne te consenti pour le couper Zilea en deux morceaux. Libye la France, yon tiers à l'ouest, qui pralvine officiellement la colonie française de Saint-Domingue et qui praltounait la République d'Haïti. L'Espagne peut-être parle qu'un bé toute partie les Zilea, qui relait Hispaniola et qui pralvine la République dominicaine. La France avec l'Espagne te entendu sur une ligne frontière qui commençait dans la rivière Massacre, dans le nord, passait des sons dans la vallée la Tibonite, pour le bout juste en bas, dans le Pédernal. Là même, la France nommait, pour diriger Bopal, la colonie française de Saint-Domingue, deux mounes. Yon gouverneur, avec yon intendant. Gouverneur, ak intendant, c'est pas dans Saint-Domingue que le gouvernement français a été choisi. Tous les deux, t'es toujours sorti en France pour aller Saint-Domingue diriger colonie. Chaque t'es un rôle yo séparé. Rôle gouverneur, c'est un rôle politique. L'ité là pour te bail sécurité. Pour ça, l'ité gen sous ordre li yon l'armée de 5000 soldats ak yon corps milice. Au commencement, soldats ak miliciens tout c'était blanc. Mais avec le temps, ça pral changer. Nous pourrons louer la mer ensemble avec milice là, vingain en pile mulâtre avec un pile noir là-dedans. Si le gouverneur c'était pour bail sécurité, qui s'acte rôle intendant? Intendant, c'est un contrôleur. Et rôle c'était pour contrôler finances, la justice, l'hôpital, service la commune, et il était responsable entretien matériel l'armée dans colonie. Gouverneur ak intendant yo te bâti plusieurs villes. Yo te bâti au Cap, Port de Paix, Fort Dauphin qui vin tourner plus tard Fort Liberté, Jacques Mel, Okay, Jérémy ak Port Républicain qui vin tourner plus tard Port-au-Prince. Il faut que nous connaît que anglais yo essayé plusieurs fois fait d'appuyer sur Saint-Domingue parce que yon seul Saint-Domingue là t'est plus riche que toute l'autre colonie qui est dans toute l'Amérique là. Que ces colonies dans l'Amérique du Nord, que ces colonies dans l'Amérique du Sud, que ces colonies dans l'Amérique centrale ou dans toute l'autre îlée qui est dans les Caraïbes là. Saint-Domingue est plus riche que toutes. Cependant, malgré tout effort que l'anglais ont fait, ils n'ont pas réussi à faire d'appuyer sur Saint-Domingue. Dans l'année qui était 1774, colons anglais qui étaient dans l'Amérique du Nord t'es révolté contre le gouvernement anglais. Yo t'a demandé pour avoir plus liberté politique et faut que c'est eux-mêmes qui t'a fixé comme cob pour payer pour taxes. Gouvernement anglais a pas d'accord. Colons anglais yo t'est passé en rébellion contre l'Angleterre. Ça t'est la cause que une guerre civile t'est éclaté. Yon bande de plus que 1500 affranchis mulattes ak noirs t'est quitté Saint-Domingue. Et au te courir savana al poté collé. Parmi yo, te gagné Henri Christophe, André Rigaud, Jean-Baptiste Chavannes, Beauvais, Cangé, ak an pil l'autre.
Dans un accrochage contre soldats anglais, Henri Christophe et quelques autres étaient blessés. Comme nous capouais, Zancette était là, il était bataille et il était versé sang pour aider blancs américains racher indépendance dans l'Angleterre. De fait, le 4 juillet 1776, colons anglais ont gagné bataille là et ont fondé un champ tout neuf qui relait les États-Unis d'Amérique. Mais ça t'a passé en France dans l'époque ça. Depuis plus passé 30 années, la France était tête en bas. T'es gon bon savé qui t'es gaillé yon bon l'idée et ça t'est la cause que masse peuple a tap grondé. Peuple a tap mandé liberté, peuple a tap mandé égalité pour tout le monde. Il faut que nous dit que la France tap colta en situation gravement grave. Nan date qui t'est 14 juillet 1789 à Paris, peuple a t'est prêt la rue et yon t'est font gros révolution. Yon t'envahi l'Asnal et yon t'est point toutes âmes que yon t'est distribué largement large by peuple là. Après ça, bien armé, peuple français a t'al déchouqué yon prison qui t'est relé la Bastille et yon t'est libéré toute bande prisonnier politique yon. Yon mois après, le 17 août 1789, la Chambre en France t'est adopté la Déclaration des droits de l'homme qui vient mettre tout le monde égal et go. À partir de jour ça, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pas gain affaire roi encore. Le peuple, c'est le souverain. Pouvoir, c'est dans mon peuple que lié et ce peuple seulement qui capable pouvoir. Konyer, c'est chapitre 2. Dans chapitre ça, nous pas l'examiner position blanc yo dans colonie. Laissez-le était pour environ 4 semaines pour un bâtiment qui sorti en France, t'est arrivé dans Saint-Domingue. T'es gon gros mouvement va et vient, aller vini. Au cap seulement t'es qu'on recevoir chaque année plus passer 170 bâtiments qui te kon vin debake yon bonne marchandise et retourner en France chargé ak suc blanc et chargé ak café. Comme nan colonie an te gen la Gazette de Saint-Domingue ak an pile l'autre journal, c'est pour raison ça, nouvelle yo te rive vite et yo te gaillé rapide. Blanc ak afon chio ki te kon lire, ki te kon écrit, te bien informé et yo te au courant de tout ça qui t'a passé en France. Il faut que nous connaissons que blanc accumulate chaque tegen position yo que yo tap défend. Songez que la déclaration des droits de l'homme te met tout le monde sous même pied, tout le monde est supposé vin égal égo. Bagay ça te bat tout blanc yo gros tête fait mal, gros tête chargé. Pour blanc yo ça pas de possible parce que yo pas trouvé comment yo cap vin mettre yo égal égo accumulate ensemble avec tout esclave noir yo. Cependant, blanc en colonie ont été sorti pour imiter tout ça que t'as fait en France. C'est comme ça qu'ils ont monté une assemblée générale avec plusieurs assemblées provinciales. Et ils ont même rivé faire une constitution. Ils ont voulu faire élection, nommer un député payo pour aller représenter colonie dans la chambre à Paris. T'es un moment, assemblée générale là t'es même voulu suivre exemple colon anglais et yo te menacé déclarer indépendance colonie. Mais ça pas de point pile temps pour te gen gros chirépit entre même yo assemblée provinciale que te rele les pompons blancs parce que te toujours gen un gros cocade blanc taché sous chapeau yo et ak même yon l'autre assemblée provinciale que te rele les pompons rouges parce que te toujours gen un gros cocade rouge taché sous chapeau yo. Il faut que nous pas confondre les pompons blancs et les pompons rouges. Pompons blancs yo c'est ton bon grand planteur. Yon bon grand blanc comme nous connaît, moun sa yo te chargé avec l'argent. Yon seul bagay yo te manqué c'est pouvoir politique. C'est ça que fait yo ta bataille pour forcer gouvernement
suspendre voyer moun qui sorti en France pour venir diriger colonie. Yo te vle que c'est parmi yo dans Saint-Domingue et pas en France que gouverneur ensemble avec tout intendant ta fait pour choisir pour administrer colonie. Dans l'autre camp, nous joignent les pompons rouges. Groupe ça a te gagné les petits blancs. Yo te solidaire avec la Révolution française de 1789 qui donc yo te contre les grands blancs. Encore une fois pour corriger ça que t'ai dit avant dans l'autre enregistrement, grand blanc yo c'est yo qui t'ai formé pompon blanc et groupe qui t'ai formé pompon rouge c'était pito les petits blancs. À cause de ça, l'itérivon moment gouvernement colonie entend des bandades du Chio contre de Peigné, de Blancheland, d'Esparbès, c'est yon après l'autre gouverneur t'a défilé dans colonie. Puisque gouverneur là pour bail sécurité, à cause de tout changement ça yo, l'itérivon moment que gouverneur t'est vinn sans autorité et colonie t'est vinn sans sécurité. Situation t'est vinn tellement mal que peuple souverain t'est rivé tuer colonel Duplessis de Mauduit, commandant régiment Port-au-Prince, le yo fini, yo te tchake et yo te traîné cadavre colonel là dans toute la rue Port-au-Prince. On y est, nous parle couvrir chapitre 3, revendication des gens de couleur, ou plus particulièrement les mulâtres. Si on entend ça à Paris, grand planteur te gen le club Massiac, qui était là pour défendre l'intérêt, les gens de couleur, et plus particulièrement mulâtres, pour Bopayo, yo te gen la Société des Amis des Noirs, qui t'a soutenu et t'a bayo gros bourrade. Chaque groupe te gen cause yo que ap défendre grand blanc yo comme nous connaît yo te vle que c'est parmi yo dans colonie que gouvernement fait pour choisir gouverneur ak intendant pour diriger colonie bon pas affranchi yo et plus particulièrement mulat yo ça qui t'intéressait yo c'était pour yo vinn gen droit politique et que dans colonie yo fini par respecter la déclaration des droits de l'homme qui dit que tout monde fait libre, tout monde a même droit et tout monde égal égaux devant la loi. À cause blanc yo te refusé reconnaître tout droit mulat yo, nous pas l'assistant au premier frappe qui pral fait dans colonie. Vincent Roger, c'est un mulâtre, un activiste révolutionnaire qui t'est fait dondon et qui t'a vive en France. Dans l'époque ça tout mulâtre qui t'a vive en France, t'es besoin laisser passer pour quitter la France et retourner dans la colonie. Laisser passer ça, gouvernement, pas de balle facile. C'est ça que t'es la cause que Vincent Auger t'es obligé sauver quitter la France. Tout d'abord, il traverse les frontières, là, en Angleterre. Ensuite, il prend bateau, il chavire aux États-Unis. Le 12 octobre 1790, Vincent Auger t'est fini par entrer dans le Nord, vin fond mouvement pour porter gouverneur, forcer tout le monde respecter tout principe qui gagnait dans la Déclaration des droits de l'homme. Faut que nous songer que dans l'époque ça, c'était au Cap qui était capitale colonie, hein? C'est pas encore Port-au-Prince. Premier acte Vincent Auger t'est fait, c'était voyons pétition by gouverneur le comte de Peigné. Gouverneur de Peigné répond au jet et fait comprendre qu'il n'est pas possible pour faire respecter dans la colonie tout principe qui gagne dans la Déclaration des droits de l'homme. Et pour le moment, il n'est pas même capable d'essayer de tout le monde même droit. Là même, Vincent Auger, dans la tête d'une bande mulâtre, lance un mouvement. Planteur blanc, yo, immédiatement, monte une équipe solide pour aller arrêter Auger. Après que Blanc yo pat rivé arrêté Auger,
Oje a concours de 300 mulattes commencé marché, y a désarmé tout blanc qui tape vive dans grand hiver du nord. Pendant opération ça, t'es gen quatre coups de zame qui t'es tiré et yon blanc t'es mouri. Vincent Oje t'es vine. La même tourné yon rebelle. Après ça, Vincent Oje ak mulatio marché al prend au cap. Première frappe là t'es marché très bien pour yo. Mais après ça, yo t'es vine croiser bab pour bab ak yon groupe de 1500 miliciens blancs ak quelques volontaires noirs qui te mette yo en déroute. Le Vincent Oje ak Jean-Baptiste Chavan, yon lot mulat ki tap dirige mouvement ensemble ak li, wè ke yap perdu bataille la, yo sauvé. Yo traversé frontière pa Wanamet, espagnol yo arrêté yo et pimpé yo tourné. Yo jugé yo et yo condamné yo. Yo te pann 22, parmi yo te gon père français. 13 t'es condamné pour faire travaux forcés. Vincent Oje avec Jean-Baptiste Chavan t'es condamné au supplice de la roue dans place d'armes qui devant cathédrale au Cap là. Mais supplice de la roue saltéyé. Yo te mette Vincent Oje avec Jean-Baptiste Chavan couché sous dos chaque sous une roue cabrette. Yo te écrasé à coups de baffet, cuissio, jambio, Brayo, Rio, et yo te quitté yo là, a fixé le ciel jusqu'à ce que yo te mouri. Après ça, yo te coupé tête Vincent Oje et y a l'exposé le dondon. Yo coupé tête Jean-Baptiste Chavan, y a l'exposé le grand hiver du Nord. C'est seulement après exécution Vincent Oje avec Jean-Baptiste Chavan que a franchi Mulatio. Ouais que yo pral obligé bataille pour force blanc yo qui dans colonie ou reconnaître droit yo comme citoyen. Là pour là, yo monté en organisation et yo décidé prendre les armes. Dans date qui était 20 août 1791, plus que 1000 mulattes ak 300 noirs que yo té relé les Suisses, té réuni dans trou Caïman, yon zone qui tout près Mon Cabrit. Gouvernement te détaché plus que 300 soldats pour aller faire frappe à Mulatio. Comme soldat gouvernement te gonflé nos chankan, noyo, les Suisses, yo te mette du feu dans chankan. Après ça, dans 300 soldats gouvernement, yo te compté plus que 100, soit qui te mouri, ou bien qui te blessé. Quelques jours après gros défaite ça, blanc yo te signé ak Mulatio yon accord, le concordat de Damiens, qui vin ba affranchi Mulatio depuis jou sa, tout droit politique. Malgré ces noirs yo, les Suisses, qui te permettent Mulatio réaliser belle victoire sa, Mulatio immédiatement après te abandonné noirs yo. Blanc farite tout noirs yo qui te aide Mulatio, yo te mène noirs sa yo, Mol Saint-Nicolas, côté blanc t'es fait assassiner yo tout. Malgré tout gros concours noir yo te bay, Mulatio pas de jambe prendre défense noir yo, ni pas de jambe dit rien pour yo. Cependant, concordat d'Amiens ça pas duré longtemps. Tension ak blanc ak Mulatio t'es toujours été bien haut. Dans date qui était 21 novembre 1791, jour fête Sainte-Cécile, après un goumé qui t'a gagné entre un soldat mulâtre qui était sous commandement Beauvais et un soldat blanc qui était sous commandement un mercenaire italien qui était relé Poilotto, tout Port-au-Prince était pour les armes. Poilotto t'a monté 20 gros pièces canon devant par les gouverneurs et il t'a bombardé garnison soldat mulâtre qui t'en dans balère. À tout faire Poilotto yo te profiter de ça pour massacrer yon bande mulat. Du fait de prendre sous belé, te gen pillage. Sous 30 blocs caille, Port-au-Prince te gen nan temps ça, 27 dans bloc yo te brûlé rapiétaire. Après ça, dans tout Port-au-Prince, c'est 3 blocs caille seulement qui te rete campé. C'est premier gros déchoucaille qui te fait dans pays.
konyer, nou gon lide situation blan yo, ak situation les gens de couleur, les affranchis et les mulattes. Nan kolonie, après la révolution française de 1789. Et pour nous, comment ça t'est?